La police pas les housser. Plusieurs petits vagabonds, petits voyous, il y a gros problème. Dans le moment même, n'a pas allé à la gros kekota qui a sauté dans la coupe plusieurs petits voyous. Mesdames, messieurs, la police, à travers diverses unités qui ont gagné, messieurs, ça a décidé de débarquer dans la zone là. Y aller dans Belader, mesdames, messieurs, dans Belader, plusieurs individus perdu la vie. Et nous avons dit, y a rien qui a essayé de faire échange. Mais heureusement, la police tout, t'es arrêté plusieurs dans yo. M'bral ban un paquet de détails de ça qui a passé là dans la coupe Port-au-Prince. Même bagay là, la police dans la Tibonite, encore une fois, mette ou bien coché chef gang Goliath, une puissant voleur, vagabond, malfrat, qui campé dans toute la Tibonite là, dans tout département, qui a fait causer matin, midi et soir. Bagay la commencé, t'es commencé mon gomme dans même monde la Tibonite. Et bien même dans le moment n'a pas lié à la, ça m'a regardé là comme image, c'est bagay qui terrible. Ou ap saisi tande, comment la police manger citoyen sa yo, te koukan, comment la police fini ak citoyen sa, heureusement. M'bral ban nou paquet de détails, tout moun nou pral comprenne ça ka passe. Comment nous y est, c'est la kembe, est-ce que tout bagay en forme? Kembe fidiam, kembe fem, puisque nous même, nous met tête nous dans le coin. Faut chercher toute information matin, midi et soir, quel côté, quel que soit côté lié, pour nous chercher le poté baro. Mes détails là, mesdames, messieurs. Junior Bayouko, citoyen ça a seulement 31 l'année. Monsieur, c'est originaire de Belader. Et malheureusement, monsieur, il y a marré monsieur Koukrab pour avoir volé un fusil de calibre M16 appartenant, mesdames, messieurs, à un soldat dominicain. On a introduit 21 mars 2022. Plusieurs policiers étaient déployés à chercher les âmes à coucher fou. Plusieurs soldats dominicains étaient dit tête yo, faut qu'ils fassent pile gros mouvement. Et bien, mesdames, messieurs, lors d'une opération menée par la police de la commune de Belader, agents de l'ordre, mesdames, messieurs, arrivés à appréhender trois petits voyous, pour ne pas dire trois petits vagabonds. Dès que ça, qui prend le soin, qui fait l'obéi. Dans la coupe Belader, mesdames, messieurs, citoyens sa yo, yo répond au nom de mesdames, messieurs, de Junior Bayouko. Alors Bayouko, Junior Bayouko, j'aime se dire non, monsieur, il est seulement 31 l'année et monsieur c'est originaire de Belader. Malheureusement, la police m'a remisé sa code 9 ou bien coup crabe, et bien avec plusieurs mouvements dans mel. M'tek a dit ça, un petit cop qui est dans le même, monsieur. C'était un cop dans le même. C'était un marijuana sous lui. C'était plusieurs autres bagailles dans le même. La police arrive à mettre mes sous, petit vagabond ça. Monsieur, tout te gagné comme information. La police, c'est que ça comme information. Que petit voyou ça, Junior Bayouko, monsieur, te volé. Yo M16, qui était dans mon soldat blanc américain sous Fautière, dans le 21 mars 2022. Mesdames, messieurs, citoyens, ça était vraiment, c'était un monde qui était vraiment nécessaire pour la police. Il était activement recherché par la direction centrale de la police judiciaire, à savoir la DCPJ, mesdames, messieurs, pour vol de véhicules à Port-au-Prince. Selon les informations préliminaires dont dispose la PNH, eh bien, mesdames, messieurs, monsieur, c'est Youn Moun qui gagnait en pile, concombrette avec plusieurs groupe gang et surtout dans la zone, dans la commune Belader, ils ont informé nous que M. Tayoun Naneg qui a géré l'obéissa, qui a fait causer si là. Mesdames, messieurs, à la suite de son arrestation, Dakadinou, agent de l'audio, mesdames, messieurs, était accompagné juge de paix Louis Saint-Janisson, citoyen, ça a été accompagné la police, mesdames, messieurs, afin que vous êtes perquisitionné de caille, monsieur. Pour le fouiller de demeure que monsieur gagne, eh bien, mesdames, messieurs, c'est là, il va retrouver plusieurs substances assimilées à la marijuana. D'accord, dit ça, monsieur qui te gagne en pile feuille bose, te bose la kaili. Deuxième citoyen que la police mange te koukan, arrêté code 9, qui c'est Kasik Boyko, monsieur seulement lui-même personnellement, il y a 20 années sous tête lui. 20 l'année, c'est monsieur Yen seulement. Monsieur, c'est originaire également de Belader. J'ai information arrivée jeune la police. Monsieur, c'est membre actif du groupe gang dirigé par son frère Junior.
Kasikobo et comme la monsieur, c'était un soldat qui était vraiment utilisé pour Junior. Côté que monsieur était là, c'est monsieur qui t'a posé des actions, c'est monsieur qui t'a frise moun dans zone là, c'est monsieur qui t'a fait l'orbeille dans zone là, c'est monsieur qui t'a fait un paquet de causer. Et heureusement mesdames messieurs, dans moment même n'a parlé à la police marine avec ça cou crabe, la police mette nèg ça en bas code. Ti jeune ça ou attendé à là qui c'est Cassique Boyko, monsieur qui a pile l'orbeille, j'ai fait un pile tintin déjà qui dérangeait la police dans toute intégralité là. Donc, mesdames, messieurs, Kasik, c'est un petit jeune que la police était vraiment cherché dans la zone ZA. Et heureusement, donc, ils ont trouvé monsieur ensemble avec Frélie. Et d'après le que c'était un individu qui était vraiment important pour Junior, à savoir Junior Boyko et grand Frélie, puisque c'est monsieur qui était composé plus acte malhonnête dans la période là. Troisième citoyen qui ramassé a monsieur c'est Joué Sauson succès. Monsieur qui 37 l'année. Monsieur c'est originaire de Thomasique. Je salue également Valéné. Donc monsieur ça c'est une nèg qui était spécialisé dans question vol de motocyclette. Plusieurs monde connaît monsieur dans Saint-Domingue, c'est ça que l'était qu'on fait seulement. L'elfine volait motocyclette yo. Débarquer là dans la coupe Port-au-Prince avec eux-mêmes, entrer dans le pays d'Haïti et puis venir vendre yo et retourner encore. Il y a une mafia ça yo, c'est une petite mafia que me connais. Petite mafia ça yo, on tous les deux, on deux petites mafias ça yo. La police marine ça au code 9, bon bagaille. Bien bien ça au bien. Attendez, si vous voulez fini avec ça oui. En tout cas, petite mafia ça me déconne oui. De konwe ou te toujours fait bon fait pose bon ti moun yo nan Port-au-Prince mati. Mesdames messieurs, trois moun sa ou la police ramasse yo. Pour l'instant, monsieur sa ou placé en garde à vue en attendant les suites judiciaires. Yo continue à fait nan moment même nan pali à la mesdames messieurs. Le nommé Goliath. Citoyen sa ou kad la. Le nommé Goliath ainsi connu a été mortellement blessé ce dimanche, le 14 août 2022. Il y a des échanges de tirs avec la police lors d'une attaque des hommes armés de Savien contre une patrouille de Ludmo à Petite Rivière de la Tibonite. Citoyen ça a regardé là. Si image là trop terrible, quittez le numéro, n'a partagé la voix. Et citoyen ça a regardé là, monsieur c'est Goliath. Et monsieur, c'était troisième chef gang Savien. Monsieur, au fait, c'est une nanèque qui t'a fait pile l'obeille. Qui t'a fait pile l'obeille. Et l'obeille que monsieur t'a fait, c'est des nanèques qui étaient dans la petite rivière de la Timonite. À chaque fois, nanèque qui descend, ils viennent faire pile l'obeille. Goliath était le troisième chef de gang de Savien. C'est mort. La terreur dans la vallée de la Timonite. Plusieurs armes ont été saisies et des bandits blessés lors de la provocation de cette bande criminelle ayant osé débrandir leurs armes en direction des agents de l'ordre qui ont alors tiré pour se défendre. La police au fait a décidé de tirer et grâce à Papa l'Éternel ils mettent la vie dans tête négio, ils mettent la vie dans la vie négio, Il y a bagaille, Goliath, pas besoin de faire encore. Il y a bagaille, c'est pour la dernière fois Goliath fait. Il y a bagaille, Goliath, pas besoin de refaire encore. Nexayo, il prend le suet, il a fait pile des autres ces derniers temps, il a volé, il a fait kidnapping, il a fait pile des autres. Dans le moment même, n'a pas allé là. Bagaille a compliqué, bagaille a mélangé. Donc, au fait, c'est une situation qui déméplaît, c'est une situation qui demande un pile arrangement, un pile compréhension. Et la police continue à bataille. Sous garde bon la caille, ouais, bon mauvais jet. Ou pas comprendre, Jean le campé, Jean le branding call, fait 38-38, 11-11. C'est numéro ça pour joindre la police. Et depuis où joindre la police, fais confiance, qu'on dit, et commissaire Muscadin. Bagay nèg yo ap vin nan deux plamen yo. Si yo vle al pon ti tan pou réfléchir, la bon.
Monsieur t'a remis en bas plus vite tout. La police a rendu un service ça. Bienvenue n'a rentré d'emblée dans développement journal là. La police nationale d'Haïti a arrêté 9 présumés bandits dans commune Léogane en sorti mercredi pour l'ouvrir hier jeudi dans localité dans Olive zone Bossan première section des sources individu ça a été débarqué à bord un petit voilier d'après magistrat Léogane qui fait connait la police ak la mairie mobilisée pour empêcher bandits vin tabli bazio dans commune non individu ça yo d'après information yo groupe individu sa yo c'est un membre 400 marozo qui a couru quitter Bazio dans commune Croix des Bouquets en suivant dossier ak Jean-Georges Blaise. Coup de filet ça, c'est dans la localité Bossan, première section de sous commune Léogane, côté la police fouqué 9 présumés bandits qui t'a tenté à planter piquette dans communauté à selon ça qui expliqué. C'est à bord yon ti voilier individu sa yo t'a débarqué dans espace là. C'est une quoi magistrat villa qui fait connait monsieur sa yo t'a sorti dans différents raccoins zone métropolitaine. C'est grâce avec vigilance population, autorité municipale qui pas dormi qui permettent la police réaliser coup de filet ça d'après Emson Henry qui a expliqué. Bossan le passé Bossan ou passé dans localité qui est les Buto l'on fin qui était Buto ou rentrer dans Olive. Donc ces zones ça que te dit que bandi ont débarqué non canotte bleu et bien yo vinn cacher mais ta censé t'assembler gagner quelques petites Léogane qui affilié avec yo donc qui servi de pont donc pour canaliser yo pour héberger yo pendant un petit temps bien pas connait. Donc nous même nous dit que nous décrétons permanence que code yo sorti. Yo bon bandi ça yo gagne qui sorti dans plusieurs zones dans Port-au-Prince. Et nous gagne enquête que nous mené gagne un voyage de CPJ depuis hier parce que l'enfil doit pas à plus B au carré à qui gang que yo appartenu par rapport à le gang. Donc nous pour les suites nécessaires depuis hier. Que les armes sont qui étaient cachées en côté, qui étaient en série en côté, ok? Mais nous pas d'une trop les armes vraiment. Gagne tout que qui Québec qui n'a interrogatoire toujours, qui gagne affinité, par exemple, qui sont ici des soleils. Et débarquement présumé bandit ça qui t'a semblé à chercher espace pour abriter, tu as déjà créé un vent panique dans la communauté, côté Mounio t'es en bas gros tension face avec situation ça. Et malgré tout, faut que population continue de rôle d'après agent exécutif intérimaire qui fait qu'on est déjà transféré individu sa yo dans des CPJ. Nous avons enquête que nous avons mené un voyage de CPJ depuis hier parce que l'enfil doit pas à plus B au carré à qui gang que yo appartenu par rapport à information que nous avons non et interrogatoire là et par rapport à contact téléphone yo et communication permanente que yo gagné avec yon ensemble de chefs gang on série de monde que qui dans gang une série de gangs, donc nous dit que bon, ça va pas sortir de là, donc nous voyons DCPJ. Léogane Pape Domi, là nous t'a répété propre parole magistrat Villa qui dit yo lagé coucou rouge contre tout mauvais jeu qui t'a gagné l'idée vienne faire base dans cité Anakaona. Mairie ensemble avec la police mobilisée dans sens ça d'après Emson Henry qui fait qu'on est gayon sans disposition qui prend pour empêcher Léogane tourner base criminelle. Nous même Léogane nous pas voir n'importe quel moment dans nuit ou la journée, donc population qui a débarqué avec la police avec la justice et si c'est population qui débarqué avec la police pas qu'aimer population parce que population léoganaisant il dit faut qu'il vive faut qu'il fonctionne. Léogane pas tourner en série de zones dans zone métropolitaine là, donc faut qu'il continue vivre continue fonctionner dans nuit ou la journée. Et nous même comme premier citoyen commun nous décréter permanence nous bon côté population nous gain informateur nous gain bon de bon et antenne qui tout côté dans tout coin dans tout raccoin donc pour nous renseignements au moment opportun qui pour nous également localisation. Et c'est pas seulement autorité dans Léogane qui dit au pape dormi surtout après arrestation 9 présumés bandits dit il a prêté mobilisé sous bord par tout n'en continuer veiller en haut veiller en bas pour empêcher mauvais larron vint natio puisque Timagali semblait pas dormi non plus dans pleine croix des bouquets même les en pile monde dit souhaité pour la police ta pi déterminé dans combattre phénomène insécurité comme pi gros fléau qui a ravagé société. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Saint-Pierre Jean-Georges Blaise, phénomène criminalité pas suspend augmenter depuis quelques temps en Haïti et spécialement dans la région métropolitaine Port-au-Prince là à qui on Mac Fabricli qui c'est assassinat massacre yon fléau qui lié tout à sécurité kidnapping et puis créer la paresse dans la société hein. Quelques spécialistes haïtiens dans domaine sécurité publique criminologie et sociologie à la défense nationale rivé penché sous phénomène ça,
constat paraît à clair dernière année ça yo criminalité a évolué dans le pays d'Haïti côté zak violence yo vin pi terrible. C'est un dossier qui pote Sianti Michli Alexis. Criminalité yon mot qui sonne fort dans le pays d'Haïti. Si pendant l'année avant yo phénomène ça a été fait avec moins violence, c'est pendant jodi a société a assisté à une série zak horrible côté crime organisé ou fait avec une violence enragée. Parfois, qui ont un caractère pathologique et puis cannibale. Victimes ont tombé en babal, raché avec manchette et puis mettez des faits sous cadavre. Ce qui compte paraître plus étonnant, c'est manger dans chaque victime. Ils ont calqué des actes horribles qui compte paraître à clé sur les réseaux sociaux, mais pourtant qui ne rentrent pas dans l'histoire criminologie pays. C'est comme ça que les spécialistes sous question qui ont étudié le phénomène ça, qui ont évolué dans le pays d'Haïti, ont essayé de comprendre plus bien le problème ça. Criminologue Yudeline Cherizard a retracé quelques scènes. Type de crime qu'a commis à trop côté que et mon a pu tirer mon a pu bouler mon a pu décapiter mon. Il y a une vidéo qui est même virale sur les réseaux sociaux côté que le monde a tué l'autre là 200 fois, l'arraché, de organes, les déposer sous lui. Il y a un simulé qui a pris boucan et au manger. Est-ce que c'est de l'image qui est capable de faire de monde qui est sensible et même arriver malade? Donc, lorsque c'est arrivé dans un niveau comme ça, ou pas dans une situation normale encore, c'est un coup là, un criminel, en lui prend en proportion et pathologique. Criminalité a capté plafond dans la société a pas sorti en l'air tombé sous terre papa de Saline. Bon, Jean, organisation, c'est une namak fabrique fléau ça. D'après Berman Tillus, qui travaille dans le domaine social. Les choses de sécurité en Haïti, il y a un groupe de monde qui planifie ça bien et un groupe de monde qui baille naissance avec beaucoup de monde en Haïti. D'où la nécessité côté que vous baille naissance avec le phénomène de cristallisation, côté que vous baille par exemple en éducation populaire pour faire que le monde s'arrête une bataille entre eux. Bataille qui a fait là, c'est une bataille qui a fait contre l'autre monde, c'est une bataille qui a fait une bataille interclasse. C'est-à-dire que c'est même monde en quartier populaire qui est victime. C'est même nous-mêmes dans la classe moyenne qui paye une machine blindée. C'est même nous-mêmes, par exemple, qui a monté moto, qui a monté camionnette, qui a monté bus, qui a victime de situation. Ça veut dire situation ça connaît ça. Plus société a enfoncé dans la crise, c'est plus criminalité a augmenté. C'est plus tout façon groupe criminel a opéré, a évolué, matériel a utilisé, a modifié. Ça dépend tout à zone côté mounio habité, qualité mounio yé, période là, à raison qui la cause zaxayo. Jacques-Jean Vernet, sociologue haïtien, a expliqué quelques mobiles qui déient criminalité dans le pays d'Haïti. Pour professeur universitaire, phénomène ça m'a connu dans toute colle à crise politique là. Crise que nous vivons là, je veux dire, là, d'après compréhension, pas moi en tout cas, sont crises qui liées à question politique, ok, sont crises qui liées à contrôle pouvoir, sont crises qui liées à des mouvements dans le secteur politique là. Qui parle coûte que la justice vive sous yo, et donc de ce fait, yo a mis une série de groupes d'hommes, et quelquefois qui yo perd du contrôle, groupe ça yo a. Donc, violence a pris des proportions au jour le jour que non pas à contrôler. Acculturation, population qui a augmenté sans contrôle, moun qui a déporté pour toute qualité Zak, et puis débarqué dans le pays et la trier, contribué en pile dans la question criminalité. Professeur Janet Leonidas, c'est spécialiste en sécurité publique. L'accès à la communication, lui permet que y ait un ensemble de jeunes garçons, de jeunes femmes, d'aller des films violents, y ait maniement des armes, y ait qui ont torturé mon film, y ait tout quelque chose. Y vient apprendre faire naturellement. Ou vient de l'autre côté tout, déporté contre en Haïti, y rentre avec drogue, y rentre avec des vices rédhibitoires extraordinaires, y a habitué dans des gangs aux États-Unis côté qui a affronté avec violence, déchiré monde ou autre, etc. Il vient faire en sorte que en dans société là, tout sorte de comme valeur, tout sorte de comme garde-fou, les sauter. Mais qui ça ne fait aujourd'hui? Où est membre l'État à travers l'autre gouvernance? C'est pas une gouvernance de corruption, non? C'est une gouvernance qui a bail résultat. Qui a provoqué création d'emplois pour que jeunes garçons et jeunes femmes soient capables d'entrer dans une dynamique normale et naturelle pour avancer. Sous Opal, ancien colonel Force l'armée d'Haïti, Imler Rebu, fait qu'on ait résolu le fléau ça, mais des tout, rivé identifié depuis dans source tout le monde qui est responsable phénomène ça dans le pays d'Haïti. Ancien officier FADH là a essayé de porter quelques solutions sous gros problème ça, déclaré autorité au doué avant tout, bien analyser le problème là, une manière pour aborder le comme ça doit. Et phénomène mon appelé tuer mon avec balle toute la journée, hein? C'est un phénomène qui commence à se déployer, qui est nouveau,
et qui basé sur capacité moun ki criminel yo ou bien yo rend criminel yo pour yo joindre zam avec munitions. Or ça nous connaît, c'est pas moun sa yo qui commande zam yo, qui commande munitions yo. Donc si nan le problème nan à la source, très certainement nan action. Depuis quelques années, groupe Axam yo représente une des principales sources insécurité dans pays. Mettez sous ça dégradation institution l'état yo parmi yo la justice qui pas marcher comme ça droit. Sans ouéter tout, condition la vie population cap détériorer chaque jour plus. Michli Alexis, Caraïbe FM. Merci un peu Michli Alexis pour dossier spécial ça. Et nous allons parler matin avec madame qui est ensemble avec nous concernant Kassa, Madsen Pagnac qui c'est en Cambis, c'est ça, qui a acheté et puis revend dollars américains. C'est dans une frontière là. Ok, d'accord. Donc, qui soit ici depuis mardi, Mirbalet, non, Biladea, mais qui n'est pas arrivé, Port-au-Prince. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Non, pas moi, c'est Fortuné Usterfin. Moi, je suis Biladea. Moi, j'ai un mari qui écrit moi depuis. Mm-hmm. C'est parler. Mm-hmm. Oui, moi, j'ai un mari qui écrit moi vers 8h21 après-midi, mardi, côté le dimanche, mais moi, j'étais rouge, je suis venu. Quand il a l'air moi répondre moi m'ont dit oh laisse ça et puis depuis là il va jamais répondre moi encore les moi ouais il va jamais répondre moi ni il pas rentrer dans demain matin moi lever moi voyer en bas mon cabrital faire recherche m'ont dit information yo dit que pas gain rien qui fait yo pas gain aucune information de rien qui fait en bas mon nom et puis après ça on aller dans commissariat quoi de bouquet yo toujours dit même bagaille là les moi ça et puis m'aller dedeo. Dès mon arrivée de Dédéo, je dis que je ne peux pas prendre en considération parce que je peux gagner 24 heures. Et puis là, je dis que ça pour moi aller dans la station Belader, station Port-au-Prince, côté machine chargée, pour moi demander est-ce qu'il n'y a pas de enlèvement machine qui fait ou bien si pas de gain et accident. Mm-hmm. Et puis quand on là, et mon Belader en parlant de mon frère ici qui est Angelo Pagnac qui allait lui demander chauffeur yo explication et puis il dit lui mais qui chauffeur qui t'a fait dernier voyage non mardi. Mm-hmm. Et puis les il les chauffeur yo mettez moi en contact avec chauffeur moi les chauffeur qui c'est Nenel il dit oui moi j'étais voyage ensemble avec Madison vraiment et puis les nous rivé en bas mon cabrit gagne en bas comme souriquin qui t'a fait fouille. Les nous arrivés, ils ont fait fouiller, puis les arrivés sous Madsen, ils ont fouillé Valézi, ils ont elle gagné pile comme souli, et puis ils ont dit, les CPJ t'as cherché longtemps, et puis ils ont pris à la veille, et puis ils ont dit, chauffeur, où m'est-ce allé? Ah bon? Quand ils ont là, les c'est comme ça, chauffeur a dit, ils ont dit, comme ça, venez dans la radio pour moi parler, pour me faire backup là, by Marim. Mm-hmm. Ok. Eh bien, nous allons parler avec chauffeur là, Nenel qui est ensemble avec nous. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Pierre. Et, moi, c'est un écho. Mettez téléphone, non, pas servi avec casque. Mettez téléphone dans les oreilles. Vous entendez-nous là? Oui, vous entendez-nous. Ok, très bien. Mm-hmm. Expliquez-nous, non. Ou même, où c'est un chauffeur qui fait Belader à Port-au-Prince. Et c'est dans la machine, oui, oui. Nous, citoyens, ça a été voyagé. Madsen Pagnac. Expliquez-nous, qui ça qui vivait? Oui, quand nous sommes dans Belader. J'ai fait environ 4 heures de nous. Même maman, maman, cabrit. On a vu des checkpoints. Des bons checkpoints. Dans le moment, il y a checké machine, checké machine, puis il fait m'avancer. Il fait m'avancer, il fait m'appuyer. Des bons messieurs, des machines, non. Qui n'a pas un téléphone, il dit, ah, vous voyez, les policiers qui ont checké là, ils ont dit, oui, moi, les policiers, ils ont dit, mon bar, qui est signé tout, non. On a remis, je dis, jamais descendre, je vais checker mes missions. Je vais descendre, je vais faire mes coucher. Après, on dit, ah, il y a un beau homme dans la machine, toujours. Il ouvre la porte là, il va derrière l'autre, mais si le premier monsieur a parlé de délit là, il y a des machines dans le délit même. Il y a ce phénomène lui-même. Il est représentant du football dans ce phénomène. On a mis des messieurs qui ont fait se coucher, qu'on a après, il passe par derrière, il ouvre la porte à ce côté, il a commencé à checker là. Automatiquement, il ouvre sur ma scène. Monsieur Matsen. Il ouvre la valise là, comme là, tout ça, monsieur campé. À part, il va continuer, il finit checker encore, il dit, il prend le téléphone, il dit, décevez à chaque oui. Après ça, papier machine, je vais mettre un monsieur. Papier machine, je vais mettre un monsieur. Je vais mettre un chauffeur. Je vais la guette, oui. Je vais la guette, oui. Et comme ça, il y a la route. Qui direction le plan? Direction quoi de bouquet.
Ils sont allés mourir. Parce que nous décampons dans un point à ma mon cabine là. Oh oh. Les DCPJ, madame. Oui, madame les DCPJ. Les mois arrivés, ils disent comme ça. Tout à l'heure, Daniel. Oui, les mois arrivés des DCPJ, ils disent que son enlèvement qui fait, moi, si vous êtes 5 jours passés pour. Pour y connaître si y'a pas brûlé. Non, là, ça, c'est nous aussi, par le DCPJ. Après information, ça y'a. Oui, yo voyez, non. Je ne sais pas comment y'a brûlé. Mais y'a gardé à vie. Y'a gardé à vie, y'a pas ouais, non, ça. Ok? Donc, c'est le monde qui. C'est... Mais, gros problème avec le système tout, parce que le chauffeur a dit des paroles. Ça, le chauffeur a dit non, c'est pas ça, il répète non, là. Ça, le chauffeur a dit comme ça, et yo fouye marim, yo pa gete fouye l'autre monde dans la machine. Quand yon zo comme ça, yo te kembe papier machine ni, te gon footballeur, yo mette li couché. Chauffeur a pas dim ça moi-même. Nenel, oula? Lèl fini dim, yo pren téléphone marim, yo fouye l, yo pren tout appel, yo gade tout message li net. Vous comprenez? Moi, yon sale de pas là. Ok, oui, oui, vous tendez, madame. Oui, vous tendez, oui. Oui, mais son moun kapal nan téléphone ete, mba ka mba be spikel bien, mba kom ki este. Oman nou, mba kon di, mba be spikel, oman nou. Ok, ok, donc l'LDR lola ou tap kondi ou men pou retourne mi Belader? Oman nou. Kote wap pale ya gongon eko? Oui, Donc, donc vraie version, hein, comme on dit, ou t'es dans le téléphone avec lui, peut-être qu'il y a des détails ou pas de cabalé. Donc, vraie version, c'est qui s'allie, au campo, backup plan, oui. Identifié, des policiers avec uniforme. Ouais, non, mon cher, c'est un policier, backup par personne. Oh, mon cher, mon policier, mon cher. Pour nous? Non, mais dans qui machine, vous êtes? Non, non, non. Non, 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 oui, mais pas complètement. Fais-moi un numéro, Maguette Après. Comment? Un numéro, pas de Guette Après? Mais il écrit la police? Il écrit la police nationale? Ah, moi, j'ai le guerrier. Ah, moi, j'ai le guerrier. Ah, il nous bat tout le petit, moi, j'ai le guerrier. Alors, ça qui est intrigué, on dit c'est de la police qui prend. Et puis, il dit c'est au moins. Habitude de la joue campée. Habitude de la joue campée. Pardon? Allô? On dit habitude de la joue campée. Nous ne pouvons pas faire. Et au fil des douanes, on a pas comme ça, il a le campé, il a toute machine. Pour qu'on ait tout chauffé, on a comme ça, il a le campé, il a checké toute machine. Qui côté le campé exactement? Qui bat douane? Douane et. En bas mon cabrit là. En bas mon cabrit là? Vers qui laisse ça passer exactement? Environ 7h30. Environ 7h30. Mais c'est environ 7h30. L'aime sorti en l'air pour me briser. Ah ok, parce que madame a dit que Marie l'écrit là à 8h21, les salles étaient rouges. Les salles étaient rouges. Qui distance en terre rouge là avec côté ça va passer. Exactement, mais ça vous descend exactement. Parce que ça va vous écrit avant les. Ah, ou bien action a passé avant les crimes, non. Et ça, chauffeur a dit. Oui, non, mais comme nous sommes dans une zone 7h30, donc il n'est pas sauvé. Il n'est pas même bagaille. Ou pas de garder l'heure dans le moment où elle a passé. Non, mais pas de garder l'heure. Attends, je vais essayer de comprendre. Si chauffeur a dit que c'est la police qui a fait check routine, il y a eu un bémarou parce que DCPJ t'a cherché. Maintenant, je pense que le premier démarche, c'est d'abord à le DCPJ et même avant tout, aller dans le commissariat qui vibre. Il fait ça. Moi, je fais tout ça. Je suis allé dans le commissariat pour des bouquets, je me dépose une plainte. Je fais recherche, je ne suis pas venu. Je dis que le backup n'a pas fini avec moi. Bon, bah, c'est là le problème. Oui, donc, on y a. C'est DCPJ qui nous a encore pris dossier armé à regarder ça qui passait. Oui. Parce que si c'est effectivement c'est un backup pour la police, donc il y a qu'on aime qui backup qui était là dans telle heure. Oui. Et puis pour bah, explication, ça qui passait. Et depuis l'heure, alors il est sur téléphone, ça rejoint. Le téléphone n'a pas sonné. Pas sonné du tout? Non. C'est le mercredi pendant mon yod, quoi les bouquets dans le commissariat, le téléphone n'a sonné. Il y a un téléphone sonné. Oui, pardon? Comment? Il est tout qui met téléphone là. Devant ça fait. Ok, le relais ça tout. Et numéro à relais. Vous comprenez le relais et puis il dit mon oncle là comme ça. Côté nous y est. Et puis il dit comme ça. C'est nous qui cherchons au côté. Et puis quand il y a là, il dit attendons bonne bruit musique.
et puis ils ont tout rapproché, ils ont pas attendu rien encore. Est-ce que c'est voix Mario? Ils ont pas sûr que c'est lui. Parce qu'ils ont entendu un pile bruit. Ah, ça veut dire, c'est famille qui t'a relayé sur téléphone? Non, il va y relayer. Numéro Mario n'a relayé. Ok, qui relayé? Oui. Et il dit qui ça? Il dit côté où il est, côté où il est. C'est ça, mon a dit, comme il va identifier est-ce que c'est Mario ou pas? Oui. Ok. Ça fait combien de jours là? Mardi. Mardi après-midi. 3-4 jours là. Ok. Nenel, ce qu'on pense que passé même? Oui, oui. Allô, allô? Oui, oui. Ce qu'on pense qui passé? Moi-même, tout ça me met dans tes problèmes. Je suis là parce que les gars habitent depuis que je n'ai pas de arrêter. Parce que quand je suis pris, je suis pris à midi. Quand j'ai fait 7 jours prison, je n'ai pas de. Et après, je n'ai pas de pile par la pile. Ah, dame, et où t'es porté dame ça tout? Non, dame, t'es porté. Mais c'est Beladel t'as sorti également? Mon Beladel, il est Sarah. Mais où t'es fini de journée? Où t'es fini de journée après? Ok, ok. Bon, moi, je me suis d'accord, c'est les dames, donc comme on dit, on déjà déposé plein, c'est le faux, mais je vais avoir un accompagnant. Vous comprenez tout ça là, que c'est un enlèvement, que c'est à la police, c'est un bien. Nous sommes même pas des copes, non, même pas des timons, pas des copes, oui, mais c'est à fin de payer. Depuis les 5 femmes, quand même, je suis bon. Depuis les 5 femmes, quand même. On y a là même pas pour manger. Dans les deux cas, c'est prêté, maman de prêté. Depuis lundi, c'est à moi 300 dollars pour moi pour manger. C'est prêté. Faites photo qui moun. Oui. Soit dit, Nanel. Pardon? Soit dit. Eh bien, ok, d'accord. Bon, parce que nous finissons avec. Et Nanel, Nanel. Okay, d'accord. Ok, donc voilà, nous souhaitons que DCPJ, autorité, prend un cas en main. Donc, côté, yo capable de chercher qu'on est qui s'est arrivé. Voilà, c'est là. Pour nous... oh, vous te voyez le bon moment? Nous te voyons des photos, okay. 3 photos bas. Oui. Bon, et tout à l'heure, est-ce que m'a songé? Et est-ce que ma songe fait faux signe et comme on rapidement okay. Mon dernier message pour moi pour me capable et j'aime dire la guerrier dans l'aide de cam parce que le DCPJ gagne un mot parle pour le dire. Vous comprenez que c'est une arrestation normale qui fait dans le cadre de la politique, parce que la police a droit à ça. Ok. De la population, dans le sens que si vous estimez que vous avez un indice qui paraît suspect sur un individu, quel que soit l'individu, vous avez un oui. Vous avez posé des questions. Donc, s'il y a une nécessité après audition, vous avez un bel. S'il y a une nécessité, vous relâchez tout. Vous avez relâché comme ça, doit. Vous comprenez. Mais il dit qu'il y a les quoi des bouquets, comme ça, les quoi des bouquets, il dit qu'il n'y a pas de monde comme ça. Il y a les DCPJ. Oui. Il y a gardé dans garde à vue, il n'y a pas de jeûne. Oui. Ok. Et Michel m'a essayé de partager avec vous photo. C'est Madsen. Madsen Paniak, qui lui-même c'est qui habite Chevron et acheté dollars américains sous frontière là, qui était dans une machine qui t'a sorti Belader, c'était mardi et qui n'est pas rentré. Nous sortons des Nenel qui présentait comme chauffeur machine ça, qui lui-même expliquait c'est une machine Zorekin qui écrit PNH. Qui est allé avec citoyens et jusqu'à présent pas gagné information sur qui côté lié. Donc, madame, ensemble avec nous, nous espérons qu'il y ait contact avant pour nous capable de connaître ce qui est fait dans le dossier. Ça, parce que là, peut-être s'il y a des autres passagers hein, qui étaient dans la machine, non, qui t'avaient parlé avec nous tout pour éviter. Permettre que nous comprenions. Pour faire ça, faire après, c'est vrai, c'est parce que je ne suis pas même. C'est Messie qui a marché, qui a cherché. Oui, mais vous avez ça qui est important, c'est travail. C'est un Messie à travail. C'est pour on est ça qui est passé. C'est pour on l'a pas acheté pour moi, même entre le bac à rentrer parce qu'à cause, il y a pris machine, le chauffeur n'a pas voulu venir pour ôter machine pour moi, pour me faire 50 gouttes. Je m'en ai dit, Simon, Simon, il y a pas de papa. Je ne suis pas dit, Simon, il y a. Qui l'âge, Mario, comme ça? Mario, il me fait 77. 77? 17 gouttes là. Si on a demandé mon code papa yo, pas qu'à dire rien, m'pas répondre. Déjà des problèmes pam, papa mouri qui était nous 8 petites sous compte maman. Attention, j'étais maman, moi première petite, m'a rafoyé, c'est monsieur qui a changé la vie. Maman des îles non mais yo qui a libéré. Madsen Paniak. Pourquoi la libéré dans la vie là là de yo. Basé sur des. Al travail était parce que c'était monsieur qui a travaillé, il prend ses papiers, il a déposé la banque.
yo prêté le ticob là ticob yo ouais non mais non c'est pas cob li c'est la mort ça c'est pas une mauvaise action.